Hello les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui vidéo très spéciale, comme vous l'avez vu au titre, on va tenter une expérience aujourd'hui, une expérience de type savon. On va tenter de faire des bulles géantes, mais pas que. Vous allez voir que j'ai décidé également de faire d'autres trucs plutôt cool pour cette vidéo. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer vite fait comment est-ce que j'ai eu l'idée. Vous allez voir, c'est ridicule. En fait, j'étais tout simplement en train de me doucher, tranquillou, jusqu'au moment en fait où j'ai du savon qui est venu dans ma main et j'ai soufflé dessus pour faire une bulle. Comme quand on est gosse, tu vois, tu fais souvent ça, ou même quand tu fais la vaisselle, des fois, hop, tu t'amuses à faire des bulles. Et là, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui est venu directement dans mon esprit qui a fait tilt et je me suis dit putain, il faut trop que je fasse une vidéo avec des bulles de savon géantes. Mais je me suis dit ouais, peut-être que ça va être trop peu de juste faire des bulles de savon géantes. Donc j'ai fait des petites recherches, j'étais sur Amazon, j'ai tapé bulles de savon. Et je me suis dit à tout moment, je tombe sur des trucs plutôt sympas et je suis tombé sur des trucs plutôt sympas, un kit d'expérience, un petit truc qui fait des bulles et tout, plus le matériel nécessaire pour faire des bulles de savon. Vous l'avez compris aujourd'hui, vidéo expérience avec du savon, de quoi nous rappeler notre enfance. Et vous allez voir, ça va être cool. On va essayer de faire un truc plutôt sympa. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. Si oui, on balance le jingle. Un jingle avec des bulles de savon, c'est tout. Allez, c'est parti. Ok les amis, avant qu'on passe au côté manuel, je suis tombé ici sur une vidéo. Je vais faire un petit peu mes recherches en mode pour savoir comment est-ce qu'on fait pour faire des bulles de savon géantes avec les bâtonnets, justement, parce que vous allez voir que je vais m'aider de bâtonnets pour réaliser ça. Et je suis tombé sur un mec qui explique vite fait en mode c'est très simple. On met les cordes dans le seau rempli de savon, en les ouvrant, on est censé pouvoir faire des bulles comme ça. Par contre, il y a un problème. Moi, je vais faire ça dans mon appartement. Je vais faire ça en intérieur. Du coup, en intérieur, vous doutez bien qu'il n'y a pas de courant d'air pour pouvoir, enfin pas de vent pour pouvoir m'aider à faire des bulles. Donc j'espère que je vais pas trop galérer. Mais sinon, c'est juste ça. Tu trempes, tu ouvres les bâtons, ça fait une bulle comme ça quand tu le fais un peu bouger et tu fermes en gros pour faire partir la bulle, parce que sinon ça reste éclaté si tu fermes pas. Vu comme ça, ça a l'air super simple, mais voilà, encore une fois, je suis en intérieur, du coup j'ai peur que ça parte en couille. Bref, on verra bien, on va passer au côté manuel directement sans plus attendre. C'est parti. Ok les amis, du coup on y est, on va faire le côté pratique. J'ai pas mal de choses à tester avec vous aujourd'hui, ça va vraiment être sympa. Vous avez vu juste avant, on a regardé un petit peu comment est-ce qu'on faisait les bulles géantes, mais il n'y a pas que ça pour cette vidéo. Venez, je vais vous montrer. On a déjà Bobito qui lui a comme fonction tout simplement de vomir son repas. En fait, t'appuies sur son ventre et il fera des bulles. On devra bien évidemment... Il y avait déjà du liquide et je viens de le renverser. Du coup, il faudra bien évidemment lui donner le biberon pour qu'il puisse faire ses petits rots. Et j'ai les mains gluantes, un plaisir. J'ai un bidon. Combien de litres là-dedans, ça? 1,5 litre. Donc avec ça, je pense qu'on est plutôt bon. Ensuite, j'ai les fameuses cordes qui permettront normalement, si ça marche bien, de faire des bulles géantes, comme dans les vidéos. Et j'ai un tout petit kit. Bon, j'ai un petit peu réparti comme ça, un petit kit avec des ustensiles qui vont permettre de faire des expériences, notamment essayer d'enfermer une bulle dans un cube, essayer de faire des bulles dans des bulles et faire des bulles avec un gant. J'ai pas trop bien compris le délire, mais on va essayer ça. Donc là, ce qu'on va essayer de faire en premier, c'est tester Bobito et voir s'il fonctionne. Ok, donc là on va donner le biberon à Bobito. C'est simple, hein. Tu prends comme ça là dans tes bras, tu le cales comme ça là, tu lui asperges la gueule. Pourquoi ça se renverse pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Laisse un pouce bleu à la vidéo. Putain, c'est fou, je savais pas qu'il pouvait parler, c'est incroyable. Bon, Bobby a bien mangé, ça dégouline, hein. Limite il va recracher dans 2 minutes tout ce qu'il a bu. Je crois que j'ai un peu abusé en vrai, j'ai un peu abusé. Maintenant on va faire le test, attention. Un peu, voilà, c'est un peu décevant. En vrai, ça marche, hein. Là, tu peux aller dans la rue comme ça et... Ta 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 ta. Putain, j'ai encore renversé partout. En même temps, ça se voyait qui... Attention, attaque du caméraman. J'ai 24 ans, je tiens à le rappeler quand même. L'expérience de Bobby, ça a fonctionné, mais ça a trempé tout mon appart. Ça a trempé toutes mes mains. Là, je fais ça, il y a tout qui coule. Du coup, c'est qui va devoir après nettoyer? Enfin, ma chérie qui filme derrière la caméra, bien évidemment. Non, ce sera moi. Ce sera moi. Il me fait un doigt d'honneur. C'est pas très cool. Expérience numéro 2, qui est pour moi l'expérience la plus intéressante. Et à la base, quand j'ai eu l'idée, bah c'était pour justement faire ça. Après, je me suis dit, on va pas faire que ça. Vous me connaissez, j'aime faire les choses bien. Du coup, après, j'avais improvisé. J'ai décidé de faire d'autres trucs et tout avec vous, genre les expériences, machin. Mais là, on va passer au plus gros de la vidéo, sujet principal, faire les bulles géantes. Est-ce que je vais réussir à faire des bonnes grosses bulles ou pas? Je sais pas. Déjà, j'espère avoir assez. Donc, je vais verser ça dans le seau ici. Et j'ai mis au préalable des serviettes. Putain, ça commence déjà à faire des bulles, même dans le seau. En vrai, ça fait déjà des bonnes bulles. Donc, je pense que ça devrait bien marcher. J'ai les petites baguettes. Et non pas les baguettes de pain, ni même les baguettes chinoises, mais bien des baguettes de bulles. Dans la vidéo, apparemment, il faut tremper. Ensuite, on ouvre comme ça. Et quand la bulle se ferme, je crois qu'il faut fermer. Si j'arrive au moins à faire une bonne grosse bulle, je serai content. J'espère déjà avoir assez. Putain, ça va foutre un bordel dans mon appartement. Ouvrir. Et wouhou! Ça fait plus de bruit que de dégâts. Ok, on recommence. Allez, au moins une. Putain, mais ça marche pas. Oh, elle était presque! Il faut que j'arrive. Je crois qu'en fait, je dois faire le mouvement, faire la bulle et ensuite fermer. Et ça va enlever la bulle. Ça va la faire partir, je crois. Oh!
Oh, oh, j'ai réussi les amis. Putain, elle était belle. Heureusement, elle a été au niveau des serviettes. Mais j'aimerais bien en faire voler une, en fait. Oh oui, oui, encore. Oh, il y a même 3 buts qui sont mis dessus. Incroyable, mais je comprends pas pourquoi. En fait, je devrais peut-être les lever super. Ouais. Oh, j'ai peur, par contre, des dégâts que ça va faire à tout moment, ça va envoyer sur tout mon mur. Je vais plutôt faire ça, ce côté. Bah, il y a mon PC. Ok, on va faire au mieux. En gros, objectif. Oui. Incroyable. Quand ça pète aussi, c'est incroyable. Ok, j'ai compris, j'ai plus ou moins le truc. En fait, faut pas aller trop vite en besogne, comme diraient les... Non, je ne dis pas ça. One eternity later. Bon, on va s'arrêter là, je crois. En plus, j'ai quand même pas mal utilisé le liquide. Résultat des courses, les amis. J'ai les chaussettes trempées, le t-shirt trempé. Heureusement, le micro-cravate n'a rien. Par terre, c'est mouillé. Il y a des éclaboussures partout derrière. Mais heureusement, ça n'a pas touché mon décor, ni même mon setup. Donc, résultat, j'ai quand même réussi à faire des bulles géantes, quelques-unes. Malheureusement, elles volaient à ras du sol. J'espère qu'on les aura quand même bien vues à la caméra. À chaque fois que je voulais faire dans les airs, elles restaient collées et elles finissaient par éclater avant même qu'elles s'envolent. C'est quand même plus facile dehors, on va pas se mentir. Mais je tente quand même ma dernière chance. Mon dernier espoir avec les expériences des petites bulles. Où là, ça fera quand même moins de dégâts normalement. Et Bobito, lui, il a fonctionné. Bon les amis, dernière expérience du coup. Ici j'ai le petit manuel du mini laboratoire. D'ailleurs c'est moi quand j'avais 10 ans dessus, voilà. Et en gros dedans tu as la possibilité de faire 6 activités. Alors pas se mentir, je vais en faire 3. On va essayer en tout cas d'en faire 3. C'est 8 ans et plus, donc c'est censé être simple. Vous savez très bien comment ça va se passer. Donc première expérience qu'on va faire en fait, le but est très simple. On prend une lavette, on l'humidifie et ensuite, comme dirait Monsieur Miyagi, lustré. Très bien, je frotte avec ma main. Tu fais ça, la surface est bien humidifiée. Et normalement, ensuite, là, il y a un seau, j'avais préparé au préalable. Il y a une petite paille. Et si tout se passe bien, le jument, je suis censé faire une bulle. Putain, j'ai du savon dans la bouche. Ils mettent humidifié, mais à mon avis, c'est humidifié avec du savon. Parce que là, t'auras beau faire ça et souffler pendant 10 minutes, il n'y a rien qui changera. On va recommencer, je prends Bob. Ensuite, on réhumidifie un peu. Et cette fois-ci, avec du savon. Limite, je laisse un peu couler comme ça. Là, je sens que c'est bien gluant. Et on va réessayer. Hey. En vrai, ça formait un petit dôme, on va essayer avec ça, ok? On va essayer avec une petite bulle. Et ensuite, en fait, normalement, l'objectif, c'est de réussir à rentrer la paille dans la bulle et de ressouffler une bulle dans la bulle. Donc on va voir, la rentrer sans l'exploser. Oh, ça marche? Ok, c'est bon. Eh, hey, ça marche, hein? Pour l'instant, je pense de toutes les expériences, c'est celle qui marche le mieux. Là, on a fait... J'allais dire, on a fait 2 boules. On va recommencer, bien évidemment. Oh dommage, elle était à l'intérieur. Non, ça se verra pas à la caméra, mon ami. Mais là, je vais enchaîner, là. Regardez ça, le pro. T'as vu? Elle est dedans. Vous voyez à la caméra? J'ai une bulle dans la... Je vais tenter une dernière fois de faire vraiment une grosse bulle. Voir s'il y a moyen de faire une bulle énorme jusqu'à ce qu'elle explose, en fait. On va essayer. Elle était quand même assez grosse. Et je vais essayer une dernière fois quand même. Ok, là, on a une bulle parfaite. Si je rentre comme ça, hop, il n'y a plus de bulle. Bon, pour cette expérience-là, très simple, dans le petit kit, il donne un petit gant comme ça et un entonnoir. Bon, je vous ai parlé un petit peu, voilà, j'ai déjà mis directement l'entonnoir. Et l'objectif ici, bon, je vais quand même éviter de mettre du savon là parce qu'après, je vais mettre ma grosse bouche dessus et j'ai pas envie de crever, hein, clairement, le savon, ça arrive avec, c'est pas bon. En fait, on doit tremper dans le seau qui sert un petit peu à tout. Il y a une éponge, il y a les bâtons, enfin bref. Je vais tremper le gant, je le ressors. Si je souffle, c'est censé faire des bulles. Ça marche pas, wesh. Ouais, je suis en train de faire quoi? Eh, on dirait pas un escargot comme ça? Je vais être la fontaine de mousse. Au secours! J'en ai avalé, wesh. Ok, ouais, on arrête là. Ok, les amis, en vrai de vrai, j'ai failli dégueuler. J'ai avalé. En fait, c'est venu dans ma bouche et ensuite j'ai respiré. Et ça, je l'ai avalé et ça m'a donné envie de dégueuler. Comme vous pouvez le voir ici, ça fait un magnifique saut de mousse. Incroyable. Comme j'avalais de la mousse, si maintenant j'ouvre grand la bouche, ça va faire des bulles. Regardez. Ok, dernière expérience, et je vais pas traîner parce que en vrai là, je sens que j'ai du savon dans la bouche, c'est dégueulasse. J'ai ici un cube que du coup j'ai fait avec ma chérie et on va voir si ça marche. En fait, le but... Wesh. Bon, on va essayer parce que le truc en fait, c'est que j'ai peur de casser le cube. En fait, il faut faire tous les côtés. Mais je vois pas en quoi ça va faire une bulle en fait. Ah ouais, je vois le délire. Et en fait, tu souffles sûrement sur... Oh oui. Là, les amis, on va essayer. En fait, je vois qu'il y a du savon autour, tes surfaces. C'est pas censé être l'inverse à la base, c'est pas censé être à l'intérieur. C'est pas censé être à l'intérieur. Bah voilà, c'est... C'est ça, non, le résultat? Non! Ça s'est cassé! On va essayer quand même, regardez, on va sauver les dégâts.
En fait, c'est ça l'utilité à la base. T'as juste qu'à faire ça et tu souffles sur les gens comme ça. Bon, c'est un échec, j'en ai marre. Cette vidéo est une catastrophe. Le seul truc qui a marché, c'est le chien. Mais en même temps, il y avait juste qu'à appuyer sur un bouton. Non, en vrai, j'ai réussi à faire une ou deux bulles géantes. Même si elles étaient à ras du sol, elles ont quand même... Voilà, c'était quand même assez cool. J'ai quand même bu du savon pour vous. Ce qui a marché aussi également, c'est l'expérience des bulles dans les bulles. Ça, c'était sympa aussi. Et là, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai mon appart qui est dégueulasse. Donc, je compte sur vous pour soutenir la vidéo en mettant un max de likes. Un max de likes. S'abonner, vous abonner à la chaîne bien évidemment, et si vraiment la vidéo vous plaît, vous pourrez tenter de refaire ça en extérieur, même si en soi ici j'ai pas trop le choix d'être en intérieur pour tout ce qui est expérience avec le cube et tout, mais on pourra refaire à la limite une vidéo numéro 2 dehors. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne qui apparaît juste ici, à la chaîne secondaire juste ici, ou checker deux mes autres vidéos juste en dessous ici, Instagram, Twitch, Twitter et la boutique Teespring, tout ça c'est dans la description. Je remercie également ma chaîne d'avoir cadré, Instagram ici, et d'ici là, eh ben, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao ciao tout le monde.